Parmi ses camarades du lycée, il passe inaperçu. Pourtant, Mathieu n'est pas un adolescent comme les autres. Et rien à voir avec son problème de surdité, Mathieu est une star des réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, celui qui cartonne auprès des jeunes. Hello à tous, langue dessine, mais parce que c'est ma course. Tout est parti de son envie de faire découvrir la langue des signes et le succès ne s'est pas fait attendre. C'est vrai qu'on avait un peu de mal à parler avec et c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui nous explique comment on parle, comment on peut comprendre et comment on peut interagir avec une personne malentendante. C'est intéressant le langage des signes, tout ça, c'est bien ce qu'il fait je trouve. Résultat, aujourd'hui, plus de 700 000 abonnés. Objectif, atteindre le million d'ici quelques mois. Si je vois un million, après Instagram, après prochaine fois, c'est YouTube. Alors, en attendant, Mathieu est un élève assidu en première année de brevet professionnel, un autre challenge. Cette année, avec le masque, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas enlever le masque. Et lui, beaucoup de gestuels, oui, c'est bien beau, mais après, c'est beaucoup la lecture. Et ça, c'est fort compliqué. Il faut suivre le plan. Sur le plan, t'as quoi ? Et un plan, Mathieu en a un. Et j'aimerais, mais plombier, mais pour moi ça va, mais j'ai préféré, c'est mon rêve, connu, mais obligé, j'ai travaillé. Après les cours, une deuxième journée commence. Chaque jour, Mathieu enregistre des vidéos, danse pour attirer de nouveaux abonnés, répond aux commentaires et peaufine ses tutos. Fraise. Mission accomplie sous le regard de ses parents, fiers de voir leur fils transformer son handicap en atout. Il y a même des écoles qui s'y intéressent, des CP, etc., comme quoi Mathieu doit aller expliquer le langage des signes. Et c'est extraordinaire. Une notoriété avec laquelle Mathieu rêve de gagner sa vie, notamment pour venir en aide aux associations qui s'occupent de jeunes malentendants. Y a des salopes.